Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est vendredi, on a un grand soleil, il fait beau, il fait chaud, c'est bientôt le week-end, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo, pour vous parler tout simplement d'un fruit que j'adore, il s'agit de l'abricot. Ce fruit-là, je l'ai toujours aimé depuis toute petite, je l'adore. Il est riche en magnésium, riche en potassium, donc c'est génial quand on fait du sport parce que ça aide à la contraction musculaire. Et puis c'est un fruit qui est riche en carotène, donc quand on fait du sport en extérieur, c'est vraiment top pour aider en fait sa peau à se préparer au soleil et à bronzer. Autre petit point aussi, les sportifs pourront peut-être se reconnaître quand on fait du sport vraiment à haute intensité, qu'on fait de la compétition. Bon, c'est pas encore tout à fait mon cas, même si je commence dimanche. Les fruits, les légumes crus avec les fibres, ça peut poser problème au niveau du transit lors d'un effort prolongé et très intense. Donc l'abricot, son petit avantage, c'est que même s'il est riche en fibres, ce sont des fibres assez douces. Ça veut dire qu'on les digère facilement. Donc le petit intérêt, c'est que tout simplement, on peut continuer d'en manger quand on approche d'une grosse sortie. Alors bon, avec modération, on s'adapte aussi en fonction de chacun, en fonction de sa tolérance. Mais voilà, sur le principe, c'est vraiment génial l'abricot, puisqu'on peut le digérer très facilement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, mangez des abricots parce que c'est bon, parce que c'est frais, parce que c'est juteux, parce que c'est de saison. Régalez-vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous voulez me suivre sur le Trail du Loup dimanche, vous avez le petit événement aussi qui a été créé pour éventuellement m'encourager si vous voulez. Et puis sinon, pour suivre un petit peu les petites vidéos que je pourrais poster en fin de journée, une fois que je serai arrivée. Je ne sais pas encore dans quel état. Mais voilà. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt. Au revoir.